Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire by Jo. Si c'est ta première fois ici, eh bien, je me présente, je suis Jo, ton humble transmetteuse de yoga par ici. J'espère que tu te plairas ici, que tu trouveras le yoga qui te fait du bien. Aujourd'hui, c'est une courte séance qui nous attend d'une pratique que tu as peut-être déjà faite avec moi parce que j'aime beaucoup la disséminer dans plusieurs séances. C'est ce qu'on appelle les cercles de la joie. Donc c'est un mouvement des bras qui accompagne le souffle qui accompagne le mouvement des bras, et ça devient à la fois un étirement et une sorte de méditation en mouvement. Donc j'espère que ça va te plaire, installe-toi bien sur ton tapis et on se rejoint tout de suite. Bienvenue sur le tapis, j'espère que tu t'es installé confortablement. On va venir pratiquer les cercles de la joie, c'est une de mes pratiques préférées. Vraiment, et toute simple à mémoriser, qu'on peut faire le matin très facilement ou le soir avant de dormir. Ça délasse, ça détend. On commence tout de suite en joignant les mains devant le cœur. Et ça sera notre première inspiration ici à chaque fois. On va le faire d'abord en prenant plusieurs souffles dans chaque posture. Inspirons donc les mains devant le cœur. Et à l'expiration, entrelace tes doigts, pousse tes paumes vers l'avant, arrondis ton dos. Rentre ton menton. Et là, on peut rester un petit peu, étirer le dos, détendre le cou. Respire dans tout ton dos. Et à ta prochaine inspiration, remonte. Inspire, pousse les hanches dans le sol, les bras vers le ciel. Expire, on reste là pour l'instant. On détend le visage, les épaules. Si tu veux bouger un petit peu, n'hésite pas. Plie un peu plus les coudes. Respire amplement. Inspire, on revient ensemble immobile. Et expire, tu vas libérer les doigts et venir les chercher dans le dos. Les doigts s'entrelacent derrière le sacrum. Et à l'inspire, on ouvre le cœur, on éloigne les mains du dos si possible. Respire là, reste un petit peu et vois comment tu te sens. Parfois, on a envie d'être un peu plus actif, de coller les paumes, de bien serrer les omoplates. Et d'autres jours, on aura envie de plier un petit peu les coudes, d'éloigner les paumes l'une de l'autre. Vois ce qui te fait du bien. Le menton dégagé. Inspire. Et à l'expiration, tu vas venir libérer tes doigts et laisser partir les bras. À droite, à gauche. Comme s'il y avait un souffle d'air qui les poussait et les étirait. On reste un petit peu là. Imagine tes majeurs qui veulent toucher les murs à ta droite, à ta gauche. Les petits doigts vers l'arrière, les paumes de main qui s'étalent. Inspire encore. Expire, sans le souffle qui cascade vers le cœur. Prochaine inspiration, les petits doigts glissent vers l'arrière, sans que ça ouvre un peu plus les épaules. Dégage la gorge à nouveau. Et à l'expire, tout doucement, le dos pousse en arrière, la tête se redresse. Et les deux mains reviennent devant le cœur. Et on a fait un cycle complet. Maintenant, on va essayer d'enchaîner une inspiration, un mouvement, une expiration, un mouvement. On fait trois ensemble, puis ensuite, je te laisse faire à ton rythme. Inspire là. Entrelace, expire, pousse les paumes en avant, le dos vers l'arrière, menton rentre. Inspire, bras vers le ciel, coccyx vers le sol. Expire, dégage les doigts, détends les épaules, attrape les doigts dans le dos. Inspire, roule les épaules en arrière, éloigne un peu les mains du dos, regarde vers le ciel. Expire le souffle d'air. Et les bras s'étirent. Inspire, on ouvre. Expire, on referme, comme s'il y avait une légère résistance ici entre les mains.
Inspire au centre. Expire, entrelace et pousse. Inspire, étire. Expire, libère. Le levier des bras ouvre le cœur, inspire. Expire, lâche. Inspire, les paumes glissent sur l'air. Expire, tout revient au centre, droit, stable. Inspire, au centre. Expire, on pousse. Inspire, bras vers le ciel. Étire tes flancs, ton ventre. Expire. Libération. Inspire, levier des bras. Ta version, ton ouverture. Expire, relâche. Plane vers l'arrière, inspire. Et on s'aimante au centre, expire. Je te laisse faire à ton rythme maintenant. Je continue, n'hésite pas à jeter un coup d'œil si tu as un doute. Mais sinon, tu peux fermer les yeux et te laisser emporter. Et si on se décale, c'est normal. Pas tous le même corps, pas tous le même souffle. Détends ton visage à tout moment. Que le souffle suive le mouvement à la perfection et le mouvement suive le souffle à la perfection. Dans les inspirations, une sorte d'étirement, d'élévation. Et dans les expirations, comme un abandon, un relâchement. Finis celui-ci et ajoute-en un dernier, d'accord? Prends ton temps, n'accélère pas pour autant. On se rejoindra tôt ou tard.
On se rejoint peu à peu. Chacun à chacune son rythme. Les épaules se détendent, les mains se rejoignent. Parfait équilibre au centre. On rejoint la gauche et la droite. Deux côtés du corps. Deux hémisphères du cerveau, deux canaux énergétiques principaux. Le soleil et la lune en nous. Et on retrouve l'immobilité après cette méditation en mouvement, après ces grands cercles de la joie qui nous ont aidés à ouvrir le cœur, à approfondir le souffle pour toute la journée ou toute la soirée. Om Shanti. Shanti, Shanti, merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que ces cercles de la joie t'auront fait du bien, t'auront plu et qu'ils pourront s'intégrer pleinement à tes routines, à ta pratique yogique, à ta sadhana. Merci d'être là. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. J'adore vous lire, j'adore vous répondre. Et merci aux personnes qui participent à la cagnotte sur Patreon parce que sans elles, cette vidéo n'aurait pas pu voir le jour. Donc merci, vous savez qui vous êtes. On se retrouve sur les réseaux pour échanger quand vous voulez. Je vous dis à très bientôt.